Un goût moulin, ouais. Hein? J'ai pas de café, mais j'ai une goût. C'est vraiment mieux avec un crash mat. C'est important qu'on ne mette aucun torque là-dedans parce qu'on va tuer notre adversaire. C'est pas l'idéal si on veut avoir quelqu'un avec. Il y a un collar tie sur moi. C'est la première chose qu'on va faire, on va travailler, on va pratiquer à enlever le collar tie. Ok, so ma main va venir chercher le poignet. So, si je ne peux pas enlever un grip, I'll enforce the grip. Je vais faire que le grip est en. Je ne peux pas l'enlever. Ça fait du bon sens. So, une contrôle ici. Je contrôle pour essayer d'enlever le drap. C'est pas évident, right? So là, tout ce que je vais faire, c'est mon épaule va tourner dans son coude, puis je vais venir chercher le bras. So on va commencer avec ça. Je viens chercher le poignet. Je garde mon bras tête, continue à enlever le grip. Je le tiens avec ma tête aussi. Je tourne mon épaule, puis je m'en viens chercher. C'est bien? Dernière fois. Je contrôle, je tourne, puis je m'en viens chercher. So, moi, j'aime le tenir. Le même grip que je le tiens ici, je vais le maintenir ici. Ça va rentrer dans ma prochaine technique. On essaie ça. 1, 2, 3. Cette partie-là, il n'y a pas de danger. Il n'y a personne qui va se faire mal. Il faut que ça reste proche. Il est en train de me contrôler. Tu vois, je n'ai pas forcé du tout. Enlève ta main. Juste en tournant mon corps. Oublie ça pour le moment. Tourne ton corps, viens le chercher. Guys, listen up! Deux secondes. So, je ne veux pas trop m'éloigner parce que je ne veux pas casser sa posture. So, je le tiens ici. Viens pas chercher le bras de suite. Mon épaule va venir mettre une pression sur le coude. So, je tourne. C'est ça qui va m'aider. Il va vouloir me laisser aller. Mais je tiens ici pour ne pas le perdre. Je tourne. Puis en tournant, je vais juste tourner ma tête. Mais je ne recule pas puis je ne me penche pas. Good? On essaye? Un, deux, trois. Mon épaule va juste venir pousser dans son arrière. Comme c'est là, tu veux juste tourner ton corps, tourner ta tête. Essaye pas de chercher de dessus. En tournant, ça va l'enlever. Je vois ça. Ça, je rentre ici. Ouais. Lui, comme c'est là, ses doigts sont assez longs. Ça, il maintient, mais ici, s'il lâche pas, ça va être pas bon pour lui. À un point, il veut lâcher. Tu fais du bon sens? Je fais attention à sa colonne. C'est pas évident, il y a des fonds d'armes. So, je lève pour protéger un peu, je m'en viens contrôler. Mon avant-bras va venir toucher pour une pression dans les bras. Ah oui, le gars, comme j'ai pas moins d'effet explosif, mais mon épaule va venir faire de la travail. Exactement. Puis là, je suis prêt, puis le coude ne peut pas sortir, je compte. Puis je suis prêt pour faire la prochaine technique. Cool. Toutes les variantes qui fonctionnent. Juste pour la projection qu'on va faire. J'aime celle-là. Je suis sûr que ça va fonctionner d'autres façons aussi. Mais je te l'enseigne la manière que je le fais au cas où parce que celle-là, je le fais. Merci. Mais c'est peut-être plus fort parce que je fais beaucoup de kimura comme ça. Okay.